Invité de l'émission chez Jordan ce lundi 3 avril, Jean-Pierre Decomptes s'est confié sur sa relation avec Jean-Luc Reichmann. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'elle est loin d'être au beau fixe. Devenu célèbre grâce au divertissement Les Jeux de 20h, qu'il a présenté pendant plus de 10 ans, Jean-Pierre Decomptes était l'invité de chez Jordan sur C8, ce lundi 3 avril. Aujourd'hui âgé de 75 ans, l'ancien animateur s'est notamment confié sur son état de santé et a révélé que la maladie de Parkinson, dont il est atteint depuis une dizaine d'années, s'est aggravée. Malheureusement, il a un petit peu évolué depuis quelques années. Il y a 2 ou 3 ans, il a pris quand même une vitesse de croisière qui est un peu forte. Je bouge un peu plus. Je suis plus sujet, pas à la déprime. Mais je pense que parfois on s'enfonce, et là, je fais tout pour en ressortir, a expliqué celui qui gagne désormais sa vie en animant des salons et des galas. Grâce aux galas que je fais, je gomme l'effroyable Parkinson. Jean-Pierre Decomptes brouillé avec Jean-Luc Reichmann lors de son passage sur C8, Jean-Pierre Decomptes a également évoqué sa brouille avec une star de la télé. Avec quel animateur ou quelle animatrice ne partiriez-vous jamais en vacances? Lui a demandé Jordan de Luxe. Je ne partirai peut-être pas avec Jean-Luc Reichmann, a répondu l'ex-acolyte de Maître Capello, qui a été chauffeur de salle pour plusieurs émissions présentées par l'animateur des 12 coups de midi. J'ai fait la chauffe d'Attention à la marche, j'ai fait la chauffe des amours pendant 5 ans avec lui. Après, quand il a pris de l'ampleur, on s'est séparés et je trouve qu'on aurait dû faire encore pas mal de choses ensemble. Je l'ai pas mal conseillé pendant plusieurs années, Jean-Pierre Decomptes a joué le rôle de conseiller auprès de Jean-Luc Reichmann. Au départ, quand il y avait les amours, je l'ai pas mal conseillé et on avait une tradition. J'allais dans la loge avec lui et il me demandait, alors, comment c'était aujourd'hui? Je lui disais, dans la deuxième partie, tu n'avais pas l'œil du tigre. Et je voyais que ça l'énervait que je lui dise. Il a voulu donner une note de jeunesse, c'est ça qui est terrible. Ce n'est pas qu'il m'a sorti, il ne m'a pas fait entrer, a confié l'ancien animateur, qui semble toutefois enclin à se réconcilier avec Jean-Luc Reichmann. S'il arrivait là, je serais heureux de le voir. À lire aussi les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann retrouve un candidat qu'il a déjà croisé. Il y a 26 ans aux amours. But there's all times through the rough times I think.